Salam alaikum, bonjour, Anis Roman. Nédédo, Bala, Moussa Sanogo, Wafoko Bala. Est-ce que tu vas? Donc, on a fait que Soma Touabou. Oui, mais toi, oui, tu es frappé. Parce que moi, tu sais que toi, quand on va claquer, on va claquer, on va claquer, parce que tu es comme ça. Mais je vais vous montrer, expliquer un peu à tous les amis sur le courrier. Qu'est-ce que ça veut dire un courrier? Comment on peut faire le courrier? Est-ce que courrier, c'est affaire des génies? Est-ce que c'est affaire des djinns? Est-ce que c'est pas affaire des djinns? C'est pour vous dire ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font, qui lui disent que c'est les djinns qui sont donnés et le courrier, c'est les génies. Non, le premier menteur du courrier, c'est celui qui va dire à vous que c'est les djinns qui m'ont donné le courrier. Si un djinn t'a donné le courrier, est-ce que tu as besoin de faire courrier à des gens? Si toi tu as déjà vu un djinn, au lieu d'un djinn de te venir te donner un simple courrier qui ne paye pas même 10 francs CFA, pourquoi il ne va pas te donner or? Pourquoi il ne va pas te faire toi le plus riche? Je vais vous expliquer le courrier. Courrier, ça fait partie, c'est un peu comme la mathématique. Est-ce que tu vois, c'est mathématique? Moi, je l'ai appris comme école, chez Bakary. Tu comprends? J'ai honte aussi de le dire que c'est les djinns qui m'ont donné. Je vais montrer tout le monde à faire courrier. Est-ce que tu vois? Première chose, un mathématique. Mais est-ce que tu as déjà vu un blanc qui a dit que c'est les génies qui sont venus me montrer comment faire mathématiques? 1 plus 1, c'est les djinns qui vont donner ça à la tête de quelqu'un? C'est les djinns qui vont apprendre quelqu'un 4 plus 4? Non, ça fait autre. Courrier, c'est comme une personne. Si c'est fermé, c'est un homme. Si c'est ouvert, c'est... Si c'est fermé, c'est un homme. Si c'est ouvert, c'est une femme. Là où c'est petit, c'est là-bas sa tête. La tête d'un homme, la tête d'une fille. Ici, là où il y a tracé sa bouche. Donc, regarde, la tête d'un homme, tête d'une femme, ça fait face à face un homme en train de parler avec une femme. Est-ce que ça, c'est djinn? Ok. Ça, un homme en train de parler avec une femme parce que les bouches ferment bouche. Donc, si c'est comme ça, ça, c'est un homme à 8 histoires. Histoire, ça veut dire un homme et une fille qui ont des problèmes. Tu comprends, non? Donc, si c'est comme ça, c'est deux femmes en train de faire histoire, palabre. Si c'est comme ça, c'est deux hommes en train de faire palabre. Ok. Ça, c'est la tête d'un homme. Si ça, c'est venir fermer la tête. Un homme qui a la tête fermée, si ça venir faire comme ça. Une femme qui a la tête fermée, si c'est comme ça. Une femme qui a la tête ouverte, contraire. Parce que là, est-ce que tu vois, un homme aussi. Mon frère, regarde ici, un petit prix. Ici, c'est la tête d'un homme. Ici, c'est la fesse d'une femme. Ici, c'est la fesse d'un homme. Donc, un homme, l'intérieur de sa fesse, ça c'est sexe. Bon, si un homme, est-ce que tu vois, ici, c'est fesse d'une femme. Ça, c'est fesse d'un homme. L'intérieur de son fesse, ça, c'est sexe. Si il est venu monter sur un homme, est-ce que tu vois, l'intérieur de son fesse avec fesse d'un homme, ça, c'est rapport sexuel. Bon, est-ce que tu vois, pourquoi c'est un rapport sexuel? Parce que, et vous m'excusez des termes, c'est une explication. Le premier position pour faire rapport sexuel, ça, c'était quatre pattes. Tu vois, parce que tout le monde était comme des animaux. Donc, c'est quatre pattes. Ça même, c'est forme de quatre pattes. C'est-à-dire, c'est pour vous montrer tout ce que Corrie, il ne parle pas. Il fait que montrer, il fait que dessiner.